gravissime. Ferme ta gueule, vraiment. Tu veux quoi? Mesdames et messieurs, pour ma première tournée, je suis actuellement à Angers. C'est la première ville que je démarre pour cette tournée. Et en gros, je suis avec Kylian. Je viens de me présenter. Je suis médium en fait, pour ceux qui le savent pas, qui regardent la chaîne. Kylian ne le sait pas et vient de le savoir. Et du coup, on va faire une petite expérience avec Kylian. Déjà, Kylian, comment ça va? Ça va, mais je pense que je vais dégueuler dans pas longtemps, vraiment. Alors, déjà, je le savais. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Non, vraiment, je le savais. Je l'ai senti en arrivant en fait. Je vais te donner une lettre entre 1 et 5. Alpha. Donc le A? Non, alpha. Non, une lettre en fait. Ah, K. Entre 1 et 5. 2. Est-ce que dans ta famille proche, oui, il y a un K quelque part? Oui. Il y a un K déjà? Oui. Il y a toi, Kylian? Oui. Est-ce que c'est le seul? Oui. C'est le seul? Oui. C'est le seul. Qu'est-ce que vous fêtez ce soir? La joie et la belle. La chouille, la chouille, totalement la chouille. C'est la fin des rattrapages pour certains. Des redoublements. Si vous deviez mourir à minuit, que feriez-vous à 23h45? J'irai vers mon crush. Mais tu veux que je l'aime? Tu m'as pas dit? Ah non. Mais ça se dit entre potes? Oui. Penasse. Alors déjà, avant tout, je pense que j'aurai un petit rapport sexuel. Et après, je pense que j'irai prendre un bon petit kebab et au moins je mourrai tranquille. Grosse caisse, honnêtement, pour oublier les redoublements. Oh, un bon kebab. Un bon kebab. Voilà. Un oriflamme. Un oriflamme, un oriflamme. Pour avoir de l'alcool. Totalement l'alcool. A votre avis, est-ce que les aveugles allument la lumière chez eux? Déjà, est-ce qu'ils ont des interrupteurs? Après, je sais pas. Qui suis-je pour parler de ça? Soit ils ont une aile, soit ils ont un chien. Donc mais ça, un chien allume. Non, mais eux, ils allument bah, pour que le chien il se repère ou. Je te rappelle que le chien voit dans le noir. C'est les félins qui voient dans le noir. Un chien voit pas dans le noir, je suis pas d'accord avec vous. Un chat voit dans le noir. Un chien. Bah, regarde ses pupilles, elles sont énormes. Bah, t'as déjà regardé les pupilles d'un chien dans le noir. Les pupilles, elles sont dilatées, tu vois. S'ils sont avec par accident, ils l'allument pour réflexe. Et sinon, non, parce que. Réponse trop sérieuse, ça. Non, non, non. Ouais, mais je suis toujours lucide. À votre avis, dans Bob l'éponge, comment est-ce qu'ils font pour faire du feu? Ah, ça, c'est une excellente question. Ouais. Je pense qu'ils prennent des silex amphibies. Et du coup, le feu, il est protégé par une bulle. Ouais, ok. Parce que c'est une putain de foutaise de merde, voilà, faut se dire. Cercle éloigné, plutôt les amis proches. On a du V quelque part. Attends, V. Ouais, totalement. Tu le connais, tu le sais. J'ai un Valentin, mais il est roux, je l'aime pas. Cette personne que t'aimes pas qui est roux, pourquoi? Non, mais c'est pas, je l'aime pas. En fait, elle est genre un peu chiante, un peu. Donc la couleur du micro te dérange? Non, regarde, elle est rousse, elle est pas dérangeante, hein. Tu vois, Kylian, c'est un mec sympa, faut le savoir. Il a des valeurs. Oui, j'ai des valeurs. Et cette fameuse personne que t'aimes pas, il s'est passé quelque chose? Non. Rien de particulier pour que tu l'aimes pas, c'est vraiment juste du faciès. Non, juste elle est chiante en fait. Juste elle est chiante, d'accord. Est-ce que les oiseaux ont des oreilles? Non, je sais pas. Bah, je sais pas s'ils chantent. Ils s'entendent pas chanter. Oui, ils ont des oreilles, mais pas pareil que les êtres humains. Ils ont des oreilles qui arrivent à capter les ondes. À votre avis, comment est-ce qu'on appelle les gens qui vivent aux États-Unis? Les Américains. Non, les États-Unis. Les États-Unis américains. Elle est pédée. Elle est pas homophobe. Hein. Elle est dans le social. Qu'est-ce qu'ils font quand ils tombent? Ils marchent. Attendez, laissez-les parler. Nice. Lui il est bon. Ça c'est une prise, ça c'est une bonne prise. Eh hey, nique la République. A votre avis, jusqu'où un chauve se lave le visage? Bah jusqu'à la fin là. Ça... Les oreilles. Ouais. Jusque, tu sais, t'as un petit bourrelet là, bah il va là. Tout le monde n'a pas le bourrelet, finalement moi je pense que c'est derrière les oreilles. Parce que c'est ça les oreilles, du coup, derrière les oreilles et c'est pas au-delà. Autour de ça, est-ce que dans ta famille proche tu as des conflits avec des personnes chiantes aussi? Oui, vraiment hein. Tu as peut-être des frères ou des sœurs? Oui. Plus jeunes que toi? Non. Plus vieilles que toi? Oui. Une sœur? Oui. On y arrive là. On y arrive! Oh, t'inquiète. Est-ce que Adam avait un nombril là? Bah non, parce que c'est censé être le premier. Il est né de la poule. Non mais forcément, forcément. Est-ce que tu connais Calix Y? Non. Il n'avait pas de nombril! Ouais, il n'avait pas de nombril, Calix Y! Ah oui, c'est le mec qui est né dans un truc amphibie là! Ouais. Il n'a pas de nombril. Adolescent sans nombril. Là, on est toujours avec Kylian, hein, ça se passe super bien. Moi, je teste un peu mes talents de médium. Je pense que nous sommes le 15 mars 1967. Ouais. Il a dit ouais. Et du coup, alors, dans ce fameux cercle proche, oui, il y a toujours des petites embrouilles, il y a toujours des petites galères avec ta sœur, qui est notamment plus grande que toi. Hein, oui, mais. Mais comment tu sais? Mec, c'est comme ça, c'est un spectacle. C'est fou, ça, pouvoir de ouf. Hein. En fait, genre, je me dis, c'est ouf comment j'en suis rentré dans ma tête. Pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Tu crois? Est-ce qu'avec cette grande sœur, c'est un conflit d'intérêt? Attends, mais elles vont où là? Je sais pas. Tu veux que je te dise où elles vont? De quoi? Elles vont vers le bonheur. Elles vont baiser surtout. Oh, attendez-moi hein. Bah Kylian, merci. Si tu baisses ta mère, qu'elle tombe enceinte, est-ce que l'enfant c'est ton fils ou ton frère? Non, ça c'est un cesse, j'aime pas. Non, parce que je respecte trop ma mère, donc je pourrais pas dire ça, du coup je vais dire rien du tout. Ah. Déjà baiser sa mère, faut le vouloir. On a fils. Mis ça dans le nord nous. Mais attends, dans la peau du personnage, c'est un frère. C'est un fils bro. Fils, c'est fils. Sachant que je viens du nord, c'est un tonton pour moi. Ça me touche. Lucie Tuche et Camille Tuche. Pour vous servir. Pas mi-brache, pas poule, pas.
rentre chez toi, mon lien, c'est pas en toi. J'adore être beauf. Merci, Douzi. Eh ben, je m'en vais. Voilà. Et non, en fait, je reviens. Et salut, et comment ça va? Et salut, Douzi. Hey, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Et si toi aussi tu veux participer à une vidéo et que tu habites à Angers, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description.